Il y a plusieurs jours, M6 a signé un reportage sur les restaurants et dîners clandestins qui émergent en France, citant notamment le Palais Vivienne, situé dans le 2e arrondissement de Paris. Un palais qui n'est autre que la propriété de Pierre-Jean Chalençon. Le collectionneur découvert dans Affaires conclues se retrouve donc aujourd'hui dans la tourmente et une enquête a même été ouverte mercredi 7 avril pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans ce cadre, la police est intervenue à son domicile jeudi 8 avril 2021 comme l'a rapporté BFM TV. Les équipes de la chaîne ont même pu filmer l'arrivée d'une dizaine de policiers au palais Vivienne où une perquisition a été menée, faisant suite à la perquisition menée la veille chez Christophe Leroy. Selon Touche pas à mon poste, Pierre-Jean Chalençon a aussi été interpellé. Il a quitté les lieux vers 18 h par une porte arrière, encadrée par les forces de l'ordre.